boules de Noël! Tu veux dire ta petite guirlande? Ben oui, c'est ça! Ma petite guirlande! Bon ben! Je sens que ça va être une belle journée pareille! Pas de neige à pelleter, pas d'herbe à couper. Ça paraît que Noël s'en vient. Pis ma retraite aussi. Genre, pardon la radio! Gardez la monnaie. Thank you.
importante de l'année. C'est plus le 25 décembre. Ça serait le 17 octobre. À mon fonds de pension. Écoutez, bon. Là, je pense que j'ai trouvé la solution, moi. Je connais un oculiste qui aurait opéré Obama, celui qui a relevé les États. Obama! Est en retard des nouvelles, elle! C'est le foie Trump qui est au pouvoir! Puis comme si Luce, elle connaissait ça, elle, des chirurgiens. Moi, ben, je propose une chirurgie pour son cerveau, hein? Jacques Ranger, mets-toi donc de décorer la salle. Occupe-toi donc de tes boules. De Noël? C'est ça. Oh, ma belle Luce. Bon, ma belle Luce. As-tu son numéro à ce beau chirurgien-là? J'ai son contact dans mon sel. T'sais, tout le monde a des selles à cette heure. Tiens, je te le passe à l'instant. C'est le docteur Belay. Ah, parfait, ma belle Luce. Tu sauves la journée. Tu vas avoir un beau bonus de Noël. Hey! Wow, là! Minute, papillon! On a bien les factures, puis elles font pension à payer avant un bonus de Noël. Le gros party de bureau s'en vient, Madame Bellevue. Elle lâche tes bonnes Noël. Bon matin, fidèle patient. On a une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quoi? Paul Gros a été élu conseiller municipal? Non, pire que ça. Ben là, il a pas été élu maire quand même. Ah non! Pas Gaétan Chélette qui va encore devancer son rendez-vous, là. Lunetterie Bellevue, où vos yeux nous sont précieux. Jacques Ranger à l'appareil. Directeur du marketing et secrétaire de l'entreprise. Que puis-je faire pour vous? Gaétan Chélette à l'appareil. À Jacques Courtier d'assurance chez Chélette et Chélette. Le premier est à moi-même et le deuxième est à mon ex. Donc, c'est concernant... Donc, c'est concernant mon rendez-vous. Oui, et... Monsieur Chalette. Votre rendez-vous, c'est le 14 janvier, au retour des fêtes. Oui, mais présentement, je pratique les paroles d'Adasté, Fidélaise, mais je comprends pas les mots. Je pense que c'est dyslexique, cette fesse. Ben, peut-être parce que c'est en latin. En tout cas, ton rendez-vous reste le 14 janvier. Joyeux Noël et bonne année. Pas de mauvaise nouvelle, Madame Bellevue! Est-ce que c'est Tim Horton a manqué de plein? Non! Non, je ne peux pas me permettre d'être en retard. J'ai réservé mon jet privé pour mon renouvellement de Botox dans une clinique de New York, à Manhattan. Stop! Excuse-moi, là, mais il faut que tu dises quelque chose.
Y es-tu pas assez d'homme? S'il pense, ça va rien qu'il falloir du botox pour y arranger sa maudite face de plastique. Ça, là, c'est une autre dépense d'imbécile qui va lui permettre encore une fois de ne pas payer ses employés. Son excentricité mine le moral de son personnel. Pis c'est pour ça que je suis parti de ton entreprise de merde! Oh. On peut continuer? Wow! 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 Un peu de yoga pour me faire baisser les tensions artérielles. Moi, ça me rend malade. Faut dire qu'une petite journée de congé avant les vacances de Noël, ça fait bien mon affaire. Du monde pauvre et pitoyable en position de cobraye. Les d'arbres qui bourgeonnent au printemps, non. J'en suis tout simplement incapable. J'ai un standard de perfection à maintenir. Moi. Et qui est méprisant. Le mépris engendre le mépris. Une mauvaise nouvelle. Moi, là, depuis que je fais mon organo, il y en a pas de mauvaise nouvelle. Puis on s'entend-tu que depuis le... Le 17 octobre, moi, là, je suis pas stressé de miettes. Je flotte. Fly like an eagle! Non, pas Duel. Pourriez-vous cesser vos balivernes? Le docteur Beauregard est absent, mais mon assistante Luce a peut-être la solution. Ah ouais, Luce, ça presse! Madame Bellevue, faut absolument trouver un remplaçant pour la chirurgie de M. Lejeune, qui, on s'entend-tu, sera très payante. Pis surtout pour éviter le rouge dans nos comptes de banque. Boswell, Jean, je suis en train de m'en occuper. Je suis en total contrôle de la situation. Cessez de me déranger, Monsieur Ranger. Hey, si je me fais à ton ex à toi, je pense que c'est toi, elle l'a dérangé. Je me suis jamais laissé contrôler par mon conjoint, moi. Bon ben, peut-être que je porte pas les culottes à la maison, mais je me reprends ici. OK? J'aimerais faire un annoncement. Annonce, Luce. Annonce. J'ai rejoint le pédastral de la chirurgie oculaire. Le formidable docteur Belleuil sera ici en chair et en os dans... 15 minutes. Il signe-tu des papiers, les yeux fermés, ton Belleuil? Hein? Parce que moi, là, j'ai juste besoin de mon certificat médical, comme à tous les vendredis. Fait que signe ici mon kiki. Attends! On se croirait en Europe où on fait constamment la queue. La patience, c'est une vertu que... Que vous n'avez visiblement pas, et que vous n'avez d'ailleurs jamais eu. Qu'est-ce que ça s'entend, ça, exactement? Je fais référence à votre congédiement, qui a eu lieu tout récemment. Bon, parlant de patience. Lunettes très belle vue, vos yeux nous sont précieux. Oh, c'est rangé. Vite, Cholette, à l'appareil. À Jacques-Courtier, d'assurance chez Cholette et Cholette. Le premier est à moi-même et le deuxième est à mon ex. Oui, Monsieur Cholette, votre rendez-vous n'a pas bougé. C'est le 14 janvier, au retour des fêtes. Et pouvez-vous, s'il vous plaît, ne plus rappeler? Vous allez voir, un jour, éventuellement, je vais me bouviller! Sans doute sur une autre.
Vous êtes ici pour un rendez-vous, monsieur? Je vois que ce n'est pas clair, mais je suis ici pour les rendez-vous. Hein? Oui. Hein? Chut, c'est correct. Luce, on peut-tu parler? Ça presse à part de ça. Quoi? C'est quoi que j'ai fait pas correct? C'est quoi ça? Un docteur aveugle? Ben là, je l'ai jamais vu. C'est le beau-frère de ma voisine quand je restais au camping Domaine Chartrand à Le Fal sur le bord de la rivière des Outaouais. Ben voyons donc, on va tout perdre. Ma passion pis la lunette avec. Faut faire quelque chose là. Arrête, c'est lancé là, mais... Y'a pas. Docteur, docteur, docteur. Docteur! Oui, oui. Je suis un peu inquiète. Eh bien, à première vue, je suis légalement aveugle. Mais j'ai trop... Désolé, madame. Mais je suis un homme sensoriel qui a développé l'art de voir sans regarder. Je suis un visionnaire. Yeah! J'en ai vu de toutes les couleurs, même si je suis daltonien, à travers mes nombreuses années comme chirurgien éméritus. Vous n'avez rien vu. Et moi non plus. Ben voyons donc, j'en crois pas mes yeux. Faut qu'il y a pas de pire client en plus. Elle grand frère à la jambe. Faut payer nos factures. Ma retraite en dépend, moi. Docteur Belleuil, j'en conviens, est un spécialiste qui nous vient hautement recommandé. D'ailleurs, dans votre mallette, je suppose, se trouvent vos nombreux diplômes? Bien sûr. Mon premier! L'Institut d'ophtalmologie de la Sorbonne, summa cum laude. Oui! Mon deuxième! L'Université de Harvard, la faculté d'optométrie. In honoris causa. Yeah! Mon troisième! De Lucas. Hall! L'Université du Québec à Hall! Wow! J'avais dit qu'il était bon, hein? Pas cet institut de piètre qualité, médiocre et sans valeur! Pas meilleur qu'un cégep du Québec. Ah! Luce! À poubelle, ce diplôme-là! À toi d'être les yeux de M. Belleuil. Tu deviens l'assistante de la journée. À toi de le suivre! Ouais! Les yeux de bel oeil. En tout cas, ça va pas être son cerveau, hein? Ses yeux, Christmas! Comment je peux être ses yeux? Boswell, fais juste regarder à l'œil. Ben voyons, madame Bellevue, je suis pas capable de faire ça, moi. J'ai de la misère à passer le vacuum comme du monde. Luce, aujourd'hui, rien n'est impossible. Serre ton plumeau, voilà ton cerveau. Aujourd'hui, tu vas voir grand et haut. Je suis
la liste de patients que j'examine ça, jeune homme. Vous aimeriez pas mieux que je vous la lise à la place? Premier patient sur la liste. Le char. C'est Rachel de ce bord-là, hein? Rachel! C'est moi! Hey, Alice au Pays des Merveilles, va donc te rasseoir avec ton arbre! Aïe aïe! Oups! Désolé, je ne vous avais pas vu. Il voit ce qu'il veut voir, lui! Deuxième patient sur la liste! Monsieur Steve McQueen! Steve McQueen! Est-ce que quelqu'un a dit mon nom? Ben oui, Brownie! Ça fait 2 mois qu'on t'appelle! Ah! Bon, on est rendu avec un aveugle, pis là un sourd! Troisième patient! Monsieur Robin Dubois! Monsieur Dubois! Parce que votre chèque du dernier rendez-vous, ben, il a rebondi. Ben oui. Donne-moi 1 mois, puis je vais te repayer ça. Ouais, mais on sait tous qu'avec vous, M. Dubois, on n'est jamais sorti du bois. Bonjour, vous avez bien rejoint la lunetterie Bellevue. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre en ce moment, puisque nos bureaux sont fermés pour l'heure du dîner. Veuillez laisser un message ou ne pas en laisser un. C'est parce que je sais, c'est pas un message. Je vous vois tous. Si vous aviez lu mon dossier médical un peu plus, vous auriez vu que je reste devant la clinique. On vous met en attente. Luce! Viens chanter dans le téléphone! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Quatrième patient sur la liste, Monsieur Thierry Legendre. Oh! C'est lui qui va signer votre chèque! J'imagine que c'est moi le premier. Les premiers seront les derniers, mais si on y va en ordre de go, c'est toi le premier dans la ville, hein? Je vous ai pogné 5 fesses! 5 fesses? Oh non, Luce! Ah. Raccroche! Écoute, Cholette. Ton rendez-vous, c'est le 14 janvier! Aujourd'hui, je ne suis pas venue comme patient, mais plutôt comme courtier en assurance. Vous êtes maintenant mon client! Écoute, Cholette, c'est vraiment pas le temps, puis vraiment pas aujourd'hui. Ton rendez-vous, c'est le 14 janvier! Diagazine! Enfin, mon cadeau de Noël! Alléluia! 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 Jacques!
remarque. Là, pour mon premier patient. Il a passé félicitations, combien de mois? Rachel, demandez à la salle d'opération numéro 2, s'il vous plaît. Rachel! Jean, c'est parce qu'on a juste une salle. Ça fait plus professionnel, OK? Comment puis-je vous aider? Ma vue baisse avec mon aura. Le lundi, mon énergie est à son plein potentiel. Je suis travaillante et à la tâche. Mais le jeudi, j'ai un blocage. J'ai l'impression que ça me prend vraiment 3 jours de congé avant d'affronter la semaine. Croyez-vous que vous pourriez signer un papier et me donner droit à ces 3 jours dont j'ai tant besoin? Vous savez, le docteur habituel, lui, il n'hésite aucunement à me signer mon papier. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer un peu plus, mais j'ai l'impression que vous êtes un homme plus kinesthésique que visuel, si vous voyez ce que je veux dire. Cessez vos balivernes! Je vois bien que votre problème ne provient pas de vos yeux, mais de votre grosse paresse grasse! Oh, écoute-moi bien, là. Je vais rester zen, mais c'est la dernière fois que je vais mettre les pieds ici, OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez de perdre une cliente, mais vous venez de gagner mon respect. Que le prochain patient entre pour sa consultation. Que le prochain patient entre pour recevoir une commotion. Non, on dit consultation. Voyons, assistante, vous ne voyez pas clair? Hey, salut, Doc! J'ai entendu des voix, pis je sais pas si c'est mon tour. Et j'aimerais bien ça vous parler de mes problèmes des yeux. T'sais, là, je vois pas clair, pis je m'éline dans la tête. Fait que là, je vois des choses. Tu comprends-tu, Doc? Je vois, je vois. Ouais. J'entends ce que tu me dis. Ouais. Ce qu'il veut dire, là, c'est qu'il voit pas en avant, il voit pas en arrière, pis c'est flou à gauche, pis c'est flou à droite. Ah, Fifi, à Mimi. Ses yeux sont finis! Non! Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas ça pantoute! Je vois clair, mais je vois des affaires! Viens de mettre le doigt dessus! Oh. Vous souffrez du syndrome de la licorne! Oh. La licorne s'est gravée ou une licorne? Non, une licorne, c'est un cheval imaginaire qui se promène sur les arcs-en-ciel! C'est ça! Dans la grève! Pour vous. Ah! Vous ne verrez que du feu! Ah! Ouh! Fait chaud, feu de camp! Et non! C'est figuratif! Ah. Ouais! Ah. Je vous recommande une petite monture écologique qui provient d'un petit moule unique à Gregoire Mills en Ontario. Ces lunettes sont faites de matière entièrement recyclée. Elles proviennent d'un mélange de compost fusionné avec de l'amiante cancérogène non nocif.
Hey, je pense que je suis vendu à votre idée, Doc. Il me semble que... Moi aussi, j'aurais plus clair avec des Grégor 1000, ça? Non, là, les quantités sont limitées. Ouais. Faut en faire bon usage. Ouais. Pas besoin, Luc. T'es une cause perdue. Ouais. Voici ma prescription. Wow. Wow! Ben un gros merci, Doc! Je pense qu'avec vos lunettes écolo, tout va se replacer. Vous êtes un maudit bon Doc, vous voyez clair! Ben clair! Merci, bonsoir! Quelle heure est-il? 11h15! Cela fait déjà une demi-heure que j'attends. Ben, félicitations. Vous savez pourtant que j'ai un horaire très chargé. J'ai même dû canceller ma session de congédiement de loisirs. Viens! Yes! Mon père et ma mère m'ont légué toute leur fortune et leur entreprise. Vous savez, être PDG de Smoke and Spit à l'âge de 12 ans, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai continué de traiter mes employés avec dignité. Dignité? Dignité! Hey, je sais pas qui est dignité, mais il était pas là lors de mon congédiement. Vous n'êtes quand même pas fâché après moi, tout de même. Ben moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de rancunier de nature. Mais depuis le fameux congédiement, oh, je suis devenu! Être rancunier n'est qu'une des raisons pour lesquelles je vous ai congédié. Pour vous, les valeurs humaines n'ont aucune importance. Justement, j'aimerais m'informer sur votre présente occupation. Je suis présentement un investissement du gouvernement canadien payé par le système Phoenix. Alors toujours sans salaire, à ce que je vois. Beaucoup de termes pour peu de paye. Justement, l'argent, c'est pas tout ce qu'il y a dans la vie, hein? On n'a pas tous des talents cachés pour la fraude, nous! Cessez de parler. Les relations humaines futiles ne m'intéressent pas. Relations futiles? C'est comme ça que vous appelez vos employés. Sachez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Surtout si on n'a pas de quoi la réchauffer. Robin Dubois, demandez à la salle d'op, s'il vous plaît. Robin Dubois. Pardon? Salle d'opération. Dis-les de même la prochaine fois. Que puis-je faire pour vous? Il veut dire, qu'est-ce que t'as là? Rien pour l'instant, je dois aller aux toilettes. Je peux passer au prochain patient. Parfait. Aujourd'hui, la télévision nuit-poire peut constater l'état du désespoir. Côte de sans-abri, la veille de Noël, c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. Caméra d'en face, je faisais des grimaces. Qu'est-ce qu'ils font là à fumer ma carcasse? Pour un repas, je l'ai plus démini. Je veux savoir ton nom, je vais avoir tout dit. Tu peux pas être taudis, je me fais pas gêner ça. Mais des points ici, au bon endroit, ça y est. Golden Johnny, travaille pour les hippies. Je suis à droite, voter, je suis à droite pour lui. La méduse, salut, pourquoi tu vis dans la rue? Je vais pas, moi, pas que mon côté début. Ouais!
du bloc. Hey! Que Phoebe juste un peu, il a ramassé son stock. Il est allé dans le café, il a demandé des chiottes. Moi, je sais pas rapidité pour éviter son rêve. Elle aime chauffer les fesses au bureau du BS. On peut pas t'aider, c'était même pas d'adresse. Ça fait que j'allais checker un petit logement de pièces. On peut pas te louer, c'était même pas de BS. C'est pas de la pire, un peu de pire, un peu de pire. Encore obligé de faire toutes ces fluffs-là, là. Ben oui, genre, c'était pas ça, là. Il sent l'argent. Ouais, c'est vrai. Go, 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 go! Il était temps. J'ai besoin de plus d'infusions d'huile d'Otera. C'est humide ici. J'espère que vous avez bien un pourcentage de 39,47% dans la salle d'opération. C'est pour ne pas abîmer mes lentilles cornéennes. Bien évidemment. Tout est en place pour le confort de l'ultime client de la lunetterie. Vous pouvez vous asseoir et respirer profondément. Ça sent bon l'essence d'orange ici, ça? Hey, la smat! Dérange pas le docteur dans ses préparatifs, OK? Wow. Veuillez vous asseoir. Oh, désolé, madame. Comment puis-je vous aider? Madame! Ah! Oui, non? Ah! Mais qui êtes-vous, non? Ne touchez pas! Ensemble, mais peux-tu m'attendre?
reconnais, ce n'est que vie dans moi. D'abus, je vis tes rôles, tes mots comme une loi. Comme une prémonition, on ne changera pas. Attention Marcel, stand by dans 4, 3, 2, 1 et cue. Mesdames et messieurs, bonjour. En grande primeur, on nous informe que la lunetterie Bellevue a été victime d'un vol au courant de l'après-midi d'hier. Les circonstances entourant le vol sont encore nébuleuses. Mais on sait que le richissime Thierry Legendre a été attaqué sur les lieux et que la propriétaire de la lunetterie, Madame Bellevue, est encore sous le choc. Pour en savoir davantage, nous avons dépêché notre meilleur reporter sur les lieux. Nous entrons donc en communication immédiatement avec Madame Sylvie Larivière. Bonjour Sylvie. Sylvie? Sylvie, vous êtes là? Sylvie, vous êtes là? Oui, oui Marcel, je suis prête. Je me trouve présentement devant la lunetterie Bellevue où le vol a eu lieu à 11h24 précise hier avant midi. Est-ce que l'on connaît les raisons qui auraient motivé le voleur à commettre un tel geste? Marcel, tout ce que l'on sait, c'est qu'il a eu lieu pendant un examen routinier de la vue et... que c'est le célèbre Thierry Legendre qui en a été la victime. Sylvie, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a été volé au juste? Est-ce qu'il s'agirait de l'argent? Oui, Marcel. Le voleur se serait attaqué non pas à l'argent de la lunetterie, mais plutôt à l'argent personnel de M. Thierry Legendre, l'homme d'affaires bien connu. Est-ce qu'on connaît le montant? Le montant? Non, pas pour l'instant. Mais il s'agirait sans doute d'une somme importante. Et Marcel, la police prend cette affaire très au sérieux et a ouvert une enquête. S'il survient des développements au courant de la journée, vous n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Je suis les développements pour vous, Marcel. Et vous reviens dès que j'ai d'autres détails. Merci, Sylvie. Et maintenant, passons à l'élection municipale. On nous indique de sources sûres que le conseiller Paul Groux, fraîchement élu, aurait oublié la première réunion du conseil municipal hier soir. Il a donc fallu se rendre à son domicile pour le réveiller et lui demander... T'es pas en duel! Tragédie à la lunetterie! Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? On parle de la lunetterie dans tous les médias! Partout! De check, de check! On va fermer! On va faire bancre! Un Taylor! Tous nos patients appellent pour annuler leur rendez-vous! La peste est entrée dans nos quatre murs! Non, la camomille! La camomille! Ben oui! L'heure égale! Ça sert! La grande dépression dans notre institution! Adieu, Villa Punta Cana! Ma retraite n'arrivera pas! Écoute-moi bien, là! Il y a déjà 24 de nos patients qui ont demandé d'être transférés chez nos plus grands compétiteurs, Gretz and Scrap! Mais qui arrive, là? Oh, Boswell! C'est le plus vilain des vilains qui va fermer nos portes! C'est le maître avocat! Maître Eric Cabana? Non! Maître Jacques Blanc! Maître Marc Gauthier! Ah non! C'est le maître Mathieu Quesnel! Quand tu as été éduqué dans la grande école secondaire catholique, à Castleman! Ouais. Non! C'est bien pire que ça! C'est celui qui a jamais perdu une cause en 948 procurations!
C'est Maître Arthur de Bourbon, troisième de ce nom. Wow! Bien le bonjour, Madame Germaine de la Bellevue. Hey! C'est Germaine Bellevue. Lâche-moi de la Bellevue. À qui? Voulez-vous une tisane, Maître de Bourbon? Non! Oh! Je suis Maître Arthur de Bourbon, troisième de ce nom. Et j'ai vraiment le plaisir de remettre la mise en demeure de la part de Monsieur Thierry Legendre, suite au sévice qu'il a subi dans votre lunetterie hier matin à 11h24 précise. Ben voyons donc, on n'a rien à voir là-dedans. On est toutes des victimes à ce soir-là. On est tous innocents jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que je sache? Sachez que vous avez l'air assez innocent à mon goût, merci! Non, mais c'est vrai. Mes employés et mon personnel n'ont rien à voir là-dedans. Vous expliquerez votre version à la cour, Madame Bellevue, car votre commerce en dépend! J'ai toujours bien aimé cet emplacement. Et je pourrais peut-être en faire une tour à bureau, ou bien une maison de retraite, où je vous passerai une chambre à rêver, Madame Bellevue, pour vos vieux jours! J'aimerais revenir plus tard ce matin afin d'interroger Docteur Belleuil. J'aimerais avoir sa vision des choses. De plus, je vous suggère d'appeler les patients de la journée. J'ai interrogé ces individus aussi. Belle monture, je repasse tantôt à 10 heures précises. À plus tard. Ben c'est ça. Faites comme ma femme, puis repassez. Comme si c'est ta femme qui repasse les chemises à la maison. Va donc partir de la vaisselle. Hey, toi, ferme-toi! Boswell Luce, appelle-moi Docteur Belleuil immédiatement. Quand il va voir qu'on n'a rien vu, il va comprendre qu'on n'a rien à voir avec cette histoire-là. Fais-moi la liste des patients d'hier. Je fais ça immédiatement. Inquiétez-vous pas, Madame Bellevue. Liz va tout régler ça. C'est ça qui me fait peur, moi. Encore un avec ici. Une douleur quelque part. Où le sang de cœur est puisé. Des blessures dans la mémoire. On ne voit plus le fond. Paralysé par la peur. Dans ce monde. Oh,
Ouais, ouais, là, tout est ce qu'on t'a ouvert. J'ai fait une spread. Avec toutes les heures derrière les vous. Toi, Luce, t'as fait quoi? Hein? Ben. J'ai passé le vacuum. J'ai poussé. J'ai fait la vaisselle. J'ai lavé les murs pour la visite. Puis, j'ai arrosé les plantes aussi. Le ménage du printemps, il est fait. Check! Ben oui, mais Luce, on est en hiver! Hé, que c'est pas fait passer un frame de chat, ça! Lanceur, il roule pas vite, hein? Y'a même si la clinique! Ah! Regarde, laisse donc faire! Ah, oh, c'est une joke! Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta! Oh, oh non! Bouquet-tanchelette! Oui, c'est moi! J'ai besoin de voir mon oculiste. J'ai besoin d'un rendez-vous immédiatement. J'ai besoin d'une nouvelle prescription. Car Guillaume Racine est pogné une grosse pneumonie. Et je vais finalement avoir la job qui me revient. Je dois être bien capable de lire, car je suis maintenant le nouveau Père Noël au Jean Coutu. Hey! Merci. Merci beaucoup. Je commence demain matin à 10h. Écoute, Chalette. Chalette, si tu veux pas que je te flush dans la toilette, là, toi, ta facilette, pis tes maudites lunettes, là! Sors-tite, pis ça presse! Pis reviens pas avant le 14 janvier! Au, 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 au! Ben, passe, Ben! Il est tôt 10h! Maître de Bourbon, 5e de ce nom, va revenir! Ah! Parlant du loup, il arrive! Tic, 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 tic. Il est 10h précises! Oh! Je vois que vous avez fait le ménage, hein? Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent quelque chose! Ça sent la ferme! Ça sent la fermeture! Ah! Oh bon! Hey! En parlant de fermeture, En parlant de fermeture, monsieur Ranger, je vois que votre lunetterie est ouverte. Ben oui, innocent. Ah, j'héritole. Ah ah! La ferme, Jean, la ferme, tu vas nous couler davantage. La ferme. Oh. La ferme. Ampoule? Ampoule? Est-ce qu'on parle de moi? Oh. Ah, j'ai Tom, ça va faire mal! Luce! Va une autre acteur, là! C'est toi, elle est son assistante! Ah ben là, le docteur Bella est à côté! Venez ici immédiatement! Oh! Maintenant que votre cirque est terminé, je vais commencer à ramasser les dépositions pour votre défense en cour. Si on s'en va, évidemment. Ah! Qu'avez-vous vu hier matin à 11h24 précise? Eh bien, je suis rentré dans la clinique en culbutant.
J'ai frappé une chaise. Ensuite, je me suis dirigé vers la salle d'opération où je me suis cogné la tête sur le bord du quart de porte avant d'échapper tous les outils stérilisés sur le plancher. C'est ça qui est ça. Puis après ça, c'est devenu tout noir. Puis là, le passant, il a crié « Au voleur! Mon argent! » C'est exactement ce que j'ai vu. La mise en demeure de mon illustre client, dont la réputation est blanche comme neige, stipule que vous étiez la personne la plus près du voleur lors de la panne d'électricité. Vous êtes donc le premier suspect sur ma liste et votre superbe assistante, la deuxième. Waouh! Je suis suspecte! On ne peut pas prendre la vie d'un aveugle ainsi que d'une assistante plutôt inutile. C'est de la foutaise, votre honneur! Qu'on m'apporte le prochain témoin si vous désirez garder votre entreprise! Jacques, la liste! Premier témoin sur la liste, Rachel! Merci de m'avoir rappelé. J'ai pu quitter mon travail plus tôt. Qui va signer mon billet médical aujourd'hui? L'avocat? Oh! Désolé! Luce! Oh! J'ai enfin trouvé une raison d'être à son emploi! Nom, prénom, ainsi que votre déposition d'abord. Rachel avec deux L. Je suis une adepte de la marche, du yoga et manger granola. Hier, je passais en beau ciseau parce que Belay avait refusé de signer mon certificat médical. Comme je suis menteuse, profiteuse, moi. Puis pense avoir vu clair dans mon jeu. Je vois. Primo. Je ne peux attester votre billet médical. Et puis, secondo, je vous considère la troisième suspecte sur ma liste, vu la rage que vous ressentiez envers la lunetterie. Vous êtes donc sur la longue liste. Vous demeurez sur les lieux. C'est bien, hein? Je vais pas être obligée de faire un autre travail, hein? Jacques, la liste! Jacques, la liste! Deuxième témoin sur la liste, Steve McQueen! Steve McQueen! Je suis de retour! Yo, man! McQueen! Steve! Oh là là! Premièrement, maître! Maître Man! Maître Arthur de Bourbon, sixième de ce nom! Oh! Monsieur McQueen, qu'avez-vous vu hier matin à 11h24? Précise! Ben, tu vois, avec mes nouvelles lunettes écolo, moi, là, j'ai vu trop d'affaires. Du monde dangereux, des gens habillés en noir, du monde en bicyclette, pis du monde pas fin. Ben, voyons, c'est du monde gentil qui est ici. Ouais. Justement, votre déposition est très utile. La vérité semble être suspendue en vos lèvres. Et je vous considère donc en lien direct avec toute cette affaire. Je vous ajoute donc à la liste. Vous demeurez sur les lieux, Monsieur McQueen. Pas de pauvre, Maître Man. Ils disent tout n'importe quoi. Ouais. Pourriez-vous tourner votre langue cette fois avant de parler? Okay.
moment et un an fait croire entre ce qu'il est et ce qu'elle pense. Un double jeu qui ressort autant, qui marque la fin de mon silence. Prends garde toi, tu as parlé trop fort. Comment veux-tu dormir sans son garde-mort? Tourne, 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 tourne. À la porte, donc j'ai vu du potentiel pour mon entreprise. Cholette et Cholette, le premier est à moi-même et le deuxième est à mon ex. Qui a besoin d'assurance? Écoute, Cholette, on n'est pas bien, bien heureux en ce moment pour deux raisons. La première est en toi-même. Et la deuxième étant la possibilité d'une ex-lunetterie. Ton rendez-vous, c'est le 14 janvier! Non! C'est assez! Je suis un patient et je demande le respect! Oh! Oh! Dans la vie, genre, Roger! On dit que le client a toujours raison. On dit pas ça? J'ai besoin de nouvelles lunettes pour chanter pour la veste de Noël, pour travailler chez Jean Coutu et de vendre de l'assurance chez Jolette et Jolette. Le premier est à moi-même et le deuxième est à mon ex. Oh, on a compris, hein? Et une dernière chose. Bon, Joël, cette affaire me rend folle! Je commence à avoir le reflux gastrique! Trouvez-nous un témoin crédible qui va prouver notre innocence à toute cette affaire-là! Innocence! Le mot est faible! Avez-vous au moins un témoin crédible? Tu bois? Robin! Et ma déposition consiste à éclaircir la vérité. Hein? Moi, j'ai tout vu. Le grand frère de Tante, il écœurait tout le monde. Puis tout le monde voulait le voler. Puis il y a quelqu'un ici qui l'a volé. C'est sûr! Continue, jeune homme! Votre hypothèse m'intéresse au plus haut point! Eh bien, vous voyez, Docteur Belleuil avait besoin d'argent pour sa propre chirurgie cornéenne. Luce veut partir de chez ses parents. Rachel était fâchée. Jacques va bientôt sacrer son camp à retraite. Puis Steve, il a besoin d'argent pour ses besoins personnels, donc. Hey, oui, Big! Puis toi, qu'on le dit par le round, est-ce que je cherche? Ça!
Hey, là, ça va faire! Toi, là, ta grand-mère, ton maudit mécherel, pis ton sapristi de petit revers, là, tu sais où tu peux te le mettre! Pis toi, là! Tu y en veux plus longtemps? Ah, plus ou moins, hein. Tu y en veux plus longtemps? Hey, voyons! Hey, la lampe en parle! Il y a anguille sous roche, mais on a fait cette valeur que tu t'es pas fait écraser par la roche. Ça suffit! C'est l'heure de faire le ménage! Oh mon Dieu! Le ménage! Que la vérité sorte immédiatement! Que le voleur parle! Ben là, parce qu'on a installé des caméras au mois de septembre, pis toutes les portes sont barrées. Mmh. Ouais! Pis c'est un paquet de troubles! Cher maître de Bourbon, 12e de ce nom, nous avons la preuve du vol sur la pellicule de la caméra qui nous a coûté un prix de fou! Un prix de fou! Oh! Luce, pince sur le piton! Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas rien! C'est une belle lunetterie pareille, ça! J'aurais vu la scène comme si c'était hier! Ben, c'est à cause de hier! Putain! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Oh non! Ah! Oh, c'est une folie! Oh, Attends, je pense que je fais quelque chose! Recule le pion! Recule le pion! Mais calmez-vous, bon sang! Désolé! Écoute-moi bien, là! J'ai écouté bien des émissions de CSR! Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves le bouton pour zoomer! Come on! Zoom and enhance! Zoom and enhance! T'es capable? Ouais! Ah ben, tabarnouche! Hey, Robin! C'est toi! C'est pour ça que t'as disparu dans la chambre de bain! C'est dommage! J'ai rien vu! Oh! Je demande la version à l'instant de Monsieur Thierry Lejean. Il a dû aller chez le psychologue afin de se faire traiter pour ce choc nerveux que vous lui avez fait subir. C'est exact. J'ai dû me rendre au spa balnéaire de Stockholm afin de m'aider à anéantir mes peurs et de retrouver un sens à ma vie. Mais j'ai besoin de connaître la solution d'enquête de maître Arthur de Bourbon, 12e du nom, en qui j'ai une confiance aveugle. Robin Dubois, explique-toi! Mais oui, mais le genre, il écœure tout le monde avec son argent et sa condescendance. C'est Noël, puis j'ai juste voulu lui donner une leçon, prendre ses sous, puis les donner à une charité de cécité. Je m'appelle pas Robin Dubois pour rien quand même. Ah! Toi, tu restes ici. Enfin, quelqu'un qui pense aux non-voyants. T'as raison, c'est un bon point. T'as raison, t'as raison. C'est pour ça que je l'ai fait, hein. C'est vrai. Oh! Cher Jean, en ce temps de Noël, je présume que vous allez laisser tomber la mise en demeure de vos ex-employés. Puisqu'il ne voulait seulement qu'emporter une infime partie de votre fortune, que vous avez d'ailleurs hérité! Oh, j'ai hérité! Oh! Bon, ben, tout est bien qui finit bien! Ma lunette est sauvée! Putain, jolie dame! Vous êtes sur un territoire non cédé! Moi, je suis pressée! Faut que j'aille pousser! Je vois pas grand-chose, mais je continue d'opérer! Moi, là! Ben moi là, ma retraite est assurée. Pis moi, mon certificat médical, ben, il est signé, hein? Pis moi, de l'organo, ben, j'en ai fumé! Dans le journal, on parle de moi en premier. Mais son horaire sont en pas réglés! À Noël, il faut réparer les pots cassés. Aïe, c'est triste! Vous m'avez oublié! Cholette, le spectacle est terminé! Mais l'hiver est où?
chanson, moi je veux des enfants. Tu fais la gueule, tu fais semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais tout ce soir sans bug. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche ce soir dans la fête. Comme un con, va sans peine. Essayant de lui croyer, mais tout flotte. Ce putain. C'était le spectacle Capetech 2018, ni vu ni connu. Une bonne main d'applaudissement pour l'équipe des comédiens et comédiennes de Capetech. L'équipe de danseurs et danseuses de Capetech. L'équipe des chanteurs et chanteuses de Capetech. L'équipe de techniciens aux costumes, décors, accessoires, maquillage, technique de scène, à la lumière et l'éclairage et au son. Et finalement, mesdames et messieurs, sous la direction musicale de Madame Mélanie Roy, les musiciens et musiciennes de Capetech. C'était la production de l'École secondaire catholique de Castlemoon qui vous a présenté Ni vu, ni connu. Vous êtes de bonne humeur.
c'est comme ça, ça se passe dans tous les fêtes, c'est comme ça, ça se passe dans tous les fêtes. Thank you.
Nous sommes finalement le 14 janvier et Jacques Rangé commence à s'impatienter drôlement après tous ses appels. Toujours pas de Gaétan Cholette. Allons donc voir où pourrait se cacher Gaétan Cholette. Hey là, aujourd'hui on est le 14 janvier, pis Cholette il est pas là! Son rendez-vous est à 8h, pis il est midi! Ça fait trois fois que je l'appelle là! Hey! C'est la dernière fois que je l'appelle, pis s'il répond pas, ça va aller mal! Vous avez bien joint la boîte vocale de chez Cholette et Cholette. Le premier étant moi-même, et le second étant mon ex. Je ne suis pas disponible pour le moment parce que je suis parti à l'église pratiquer avec la chorale. Laissez-moi un message en chantant et je serai enchanté de vous téléphoner. Bonne journée. Hey là, Cholette! On est le 14 janvier! Ton rendez-vous, c'est là, là! Si t'arrives pas dans les deux prochaines minutes, m'en va te chercher, moi! Hey, avez-vous vu Gaétan Cholette? Gaétan Cholette... Ben, Gaétan Cholette! Ah, oh, il est pas parti à l'église faire sa pratique! Ah! Il est où, là? Gaétan Cholette! Ben, il est en français avec François Lemieux, là, en ce moment, là. François Lemieux? On est quoi aujourd'hui? Le 14 janvier! T'as des maudites lunettes! Tu sais, je n'ai jamais eu besoin d'un rendez-vous le 14 janvier. C'était juste pour écœurer Jacques Rangé Saint-Fils.